Engeguem aquesta segona taula rodona del matí. Només faig el breu recordatori per si algú no hi era a la taula anterior. Je fais un petit rappel au cas où quelqu'un n'était pas là à la table précédente. Vous avez l'interprétation en bas à droite, français, espagnol et catalan. Donc, il suffit de choisir le canal que vous souhaitez. Et pour interagir, nous utilisons l'application Spark App par le biais du téléphone portable. Vous pouvez voir ici en bas de l'image comment vous pouvez télécharger cette app. Et nous faisons par le biais de cette app les questions et notre responsable technicien Jonathan peut nous aider. Nous allons parler lors de cette deuxième table ronde de l'artisanat en tant que levier du développement territorial et ou économique. Et pour ce faire, nous avons avec nous Christophe Poissonnier du réseau Ville et Métiers d'Art, Soledad Bravo de la Diputación de Barcelone, responsable de services de commerce. Nous aurons aussi les témoignages d'un professionnel, comme dans la table ronde précédente, et Pep Gesti du Conseil comarcal de la Selva aussi fera une présentation, ainsi que Flavie Estrem de la mairie de Martres-Tolosane, qui nous présentera ce qui a été fait dans les cadres du COPART. Donc, nous commençons avec M. Christophe Poissonnier, directeur général du réseau Ville et Métiers d'Art, qui présentera une vision générale par rapport au sujet qui nous occupe dans cette table ronde. Comme avant, il y aura des questions qui seront posées par le biais de Spark App et ça nous va bien puisque de cette façon, on peut faire du like et ça nous permet de faire un meilleur suivi. Donc, M. Poissonnier, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis effectivement en charge de l'animation et du développement de cette association qui s'appelle Ville et Métiers d'Art. Je vais vous mettre en ligne ma présentation. On reste à votre disposition pour n'importe quelle incidence que vous pouviez avoir, Christophe. Je n'ai pas le... Ah oui, écran partagé, pardon. Pas de souci. Vous la voyez tous? On voit, et là, ça va arriver en plein écran. Voilà, il faudrait changer le paramètre d'affichage et mettre la deuxième option de paramètres d'affichage. Vous les voyez là en haut? Il y a marqué paramètres d'affichage en haut, à gauche, un peu plus à gauche. Non, juste à droite. Juste à droite d'afficher les barres des tâches, paramètres d'affichage. Non, je suis désolé, mais je ne l'ai pas. Vous n'êtes pas sur un écran noir et gris Noir avec... Oui, et d'en haut à gauche, il y a marqué afficher la barre des tâches. Oui. Et juste à droite, il y a marqué paramètres d'affichage. Non, désolé. je le vois juste à côté de afficher la barre des tâches, juste à droite. Si vous j'ai désactivé le son, arrêté la vidéo, participant, nouveau partage. Non, mais je parle dans PowerPoint, parce qu'on voit votre mode présentateur. C'est juste pour ça, parce qu'on ne voit pas bien. Donc, sur le PowerPoint, vous avez juste en haut, il y a marqué afficher la barre des tâches et paramètres d'affichage. Attendez, je vais vous demander juste le contrôle, une seconde. Acceptez cette option, si vous pouvez. On ne va pas pouvoir voir votre présentation, sinon. Voilà, OK. Voilà, c'est ici.
il ne me laisse pas. Vous voyez ici, en fait, ce que j'ouvre? Oui. Ça, c'est paramètres d'affichage, là. Et si on fait clic, est-ce que vous pouvez faire clic dessus et choisir la deuxième option? Si no, Jonathan, continuem amb aquesta... Encara que es veu més petit. No? Ok, ben, si vous voulez continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je suis désolé. Alors, Ville et Métiers d'Art est une association d'élus, donc de collectivités, et qui existe depuis bientôt 30 ans. Créé par des maires à l'époque, dont l'objectif était de rassembler dans un collectif des élus qui ont des politiques en faveur des métiers d'art et qui voulaient se rassembler d'une part pour créer un label de qualité et d'autre part partager les expériences de chacun sur leur politique métiers d'art. Que ce soit des expériences dues à un passé historique d'artisanat d'art, parce que lié à l'histoire, de la céramique, du verre, du cristal, du cuir, etc., ou des politiques complètement mises en place à partir de zéro. Donc aujourd'hui, on a dans ce réseau des toutes petites villes, des villages, des intercommunalités, des regroupements de communes, voire des métropoles. Et nous sommes vraiment une association d'élus et non pas d'artisans d'art, mais nous travaillons tous pour l'artisanat d'art sur les territoires français et dans les collectivités concernées. Et puis, nous ne travaillons pas qu'entre élus, nous impliquons toujours dans tous nos travaux et dans toutes nos actions tous les techniciens et opérationnels de nos collectivités pour qu'ils soient associés à tout ce que nous faisons. Alors, comme nous sommes une association, nous demandons à nos collectivités de participer au financement de la structure, mais nous leur proposons en contrepartie des services. Évidemment, une fois qu'ils sont membres, et je vous expliquais comment ils peuvent devenir membres, ils peuvent utiliser le label, qui est un label qui nous appartient, qui n'est pas un label d'État. Et ils peuvent bénéficier de services, dont le principal, qui est à l'origine de la création de l'association, c'est le partage d'expériences. Et on l'organise notamment en faisant entre villes, merci beaucoup, des ateliers de formation tout au long de l'année qu'on fait en région, en Occitanie par exemple, mais aussi nationaux que l'on fait à ce moment-là à Paris. On fait des voyages d'études quand une collectivité veut aller rencontrer les élus, les opérationnels d'une autre ville du réseau qui veut se benchmarker sur un projet. Et puis aussi tout un tas de documents, d'informations dans notre centre de ressources qui est dans l'intranet de notre site internet. Et puis le deuxième ADN, même si en général on n'a qu'un seul ADN, c'est la communication que nous faisons pour nos collectivités membres, et notamment parce que la plupart organisent des salons, des marchés, des foires, des biennales dédiées aux métiers d'art, et que fort de la capacité que nous avons à communiquer nationalement auprès du grand public. On relaye en permanence toutes leurs actions et évidemment le but, c'est de leur apporter du flux touristique sur leurs manifestations. Et puis nous avons tout un tas d'autres services, mais comme je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais essayer d'être concis et rapide. Voilà la petite carte de l'implantation de nos villes. Et vous voyez qu'en Occitanie, il y en a pas mal. C'est une des régions phares de notre réseau. Voilà d'ailleurs la liste
des villes ou des collectivités qui sont membres du réseau. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment des collectivités de toutes les tailles. La plus petite, Pont-de-Montvert, elle fait 481 habitants. Et la plus grosse, Montpellier, la métropole de Montpellier, c'est-à-dire Montpellier et les villes qui sont proches, qui sont, font partie de la métropole, c'est 480 000 habitants. Ce qui veut dire que voilà, toutes, des villes de n'importe quelle taille, à partir du moment où elles s'engagent dans une politique métier d'art, peuvent rentrer dans le réseau. Et elles rentrent dans le réseau si, après avoir candidaté auprès de nous, via un label, un comité de labellisation indépendant, elles remplissent une partie des critères que je vous montre. Il y en a cinq principaux. Le premier, qui est important, c'est favoriser l'implantation d'artisans d'art dans la ville. Et il y a pas mal de façons de le faire, que vous voyez sur la slide. Mais le deuxième est tout ce qui est propre à la communication, à la promotion, souvent à travers des salons, l'organisation, le soutien des salons, des expositions, des marchés, mais aussi toute la communication on et offline qu'une collectivité peut faire pour soutenir l'artisanat d'art. Le troisième est de développer le tourisme, et notamment le tourisme culturel, et, donc métier d'art, en créant des itinéraires avec les offices du tourisme, en créant des circuits sur la collectivité ou avec d'autres collectivités, en faisant des boutiques éphémères pendant la saison touristique, etc. Les deux autres derniers critères, tout aussi importants, assurer la pérennité des savoir-faire, et on trouve dedans tous des lieux de type musée ou équivalent, mais aussi, et on en parlait tout à l'heure, les banques d'images et la mise en mémoire numérique des savoir-faire. C'est un critère important pour nous. Et enfin, le dernier est l'accompagnement de toutes les actions de formation, notamment pour les adultes, mais aussi toutes les actions vers le jeune public pour sensibiliser les lycéens, les scolaires au métier d'art, évidemment, dans l'objectif de créer des vocations. Alors, j'ai trouvé intéressant de essayer, sur le sujet de la revitalisation de centre-ville, de vous montrer deux exemples. Deux exemples de villes de taille moyenne qui ont réalisé sur la durée, qui sont assez exemplaires dans leur politique métier d'art et comment ils ont travaillé avec ce sujet pour redynamiser leur ville. Une est en Occitanie, l'autre est sur la Côte d'Azur. Le premier exemple, c'est Pézenas, qui est dans l'Hérault, 8500 habitants. Pourquoi je vous montre cette carte? Parce que c'est intéressant de comprendre qu'elle n'est pas sur le littoral de la mer et que quand on connaît un petit peu la côte de cet endroit-là, il y a énormément de stations balnéaires le long de la mer Méditerranée, et que Pézenas est à l'intérieur des terres, ce qui veut dire que, historiquement, même si la ville est jolie, elle n'était pas toujours dans le circuit touristique classique. Et si on remonte vraiment très loin, en 1960, au temps du général de Gaulle, il y a eu un plan de dynamisation du littoral pour créer justement des stations balnéaires en Méditerranée. En parallèle, la ville de Pézenas a souhaité rentrer dans une démarche de sauvegarde de son patrimoine immobilier, qui est de qualité. Et dès 1965, ils ont fait cette démarche, notamment pour pouvoir faire reconnaître au titre des monuments historiques de nombreux bâtiments qui sont souvent des hôtels particuliers, des hôtels de commerçants ou de riches commerçants. Et grâce notamment à la loi Malraux qui permet, qui fait de la défiscalisation sur ce sujet, beaucoup d'hôtels particuliers ont pu être réhabilités. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on mixe une politique métier d'art avec une politique de rénovation du patrimoine bâti. En 91,
dans la région Languedoc-Roussillon, puisqu'il n'y avait pas la région Occitanie encore à cette époque, est lancé un programme qui s'appelle l'Archipel des métiers d'art. Et l'État et la région aident et financent une filière sur la région. Et sont à l'intérieur de ce programme, des collectivités rentrent dans ce programme pour justement bénéficier de toute cette dynamique et de cette aide, dont plusieurs sont cités là, dont Pézenas, mais d'autres villes qui, ce n'est pas tout à fait un hasard, les trois autres font partie de notre réseau. Et plus récemment, la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée, CAHM, qui est une intercommunalité avec Agde et Pézenas, est la première en France qui prend la compétence métier d'art, ce qui n'est pas du tout systématique et qui était tout à fait novateur à l'époque. Donc, dans Pézenas, dans le cadre de ce programme, est créée la Maison des métiers d'art, à la fois financée par la ville et par le département. C'est une très belle maison consulaire qui a été rénovée avec, vous voyez, un gros budget de rénovation. Et à l'époque, sont installés dedans des premiers ateliers pour les artisans d'art, mais aussi un lieu d'exposition, un lieu de formation et un lieu d'accueil de jeunes publics. Et puis, après ces premiers ateliers, et sur plusieurs années, la ville rachète d'autres locaux, souvent des rez-de-chaussée, mais parfois achète tout l'immeuble, mais utilise le rez-de-chaussée pour faire des ateliers pour les artisans d'art, avec un bail qui est à durée limitée, pour que ça permette à l'artisan de se lancer, de lancer son activité, faire ses premiers chiffres d'affaires ou parce qu'il existait déjà avec une activité ailleurs, pérennise son activité. Et en plus, pour ne pas simplement leur donner des locaux, leur louer des locaux, elle met de l'accompagnement de l'accompagnement personnalisé et des formations et des conseils et de l'aide à la promotion, à la participation à des salons, par exemple. Voilà, ça c'est la maison consulaire, c'est le bâtiment central, y compris avec son aile à gauche, qui est la maison des métiers d'art de Pézenas, qui est un lieu absolument magnifique. Et en 2012, pour aller plus vite et plus loin, la ville propose que la maison des métiers d'art soit reprise par les ateliers d'art de France, qui est en France un syndicat et aussi une entreprise organisatrice de salons, pour que ce lieu devienne un vrai lieu d'exposition et de vente sur 400 mètres carrés. Donc la ville rénove ce lieu et en partenariat avec la chambre de la communauté d'agglomération, ils prennent en charge à la fois l'agencement et les charges de personnel. Aujourd'hui, c'est un lieu emblématique de la ville qui draine 14 000 visiteurs par an. Voilà quelques photos de l'intérieur de ce lieu, qui est à la fois très bien agencé, magnifique, plein de lumière, et qui met parfaitement en valeur l'artisanat d'art. Et puis, parce qu'une politique métier d'art ne s'arrête pas que à ce type d'action, la ville aide les artisans à exposer un peu partout en France, elle crée un centre de ressources, qui s'appelle le centre de ressources Molière. Juste pour la petite anecdote, Molière a fait ses premières pièces et a créé ses premières pièces à Pézenas. Après, il est monté à Paris, mais Pézenas est aussi la ville de Molière. La ville organise des travaux avec les scolaires sur le patrimoine et sur le culturel, mais sensibilise. Et puis, elle a fait venir aussi beaucoup d'antiquaires brocanteurs, à la fois en organisant dans les salons et puis en les faisant s'installer à Pézenas. Et pourquoi c'est intéressant pour les métiers d'art? Parce que des antiquaires sont souvent des gens qui travaillent beaucoup avec des artisans restaurateurs de patrimoine, de mobilier notamment. Et donc beaucoup se sont installés dans la ville à la suite de cette politique. Et puis, quelque chose qui est à la fois novateur et intéressant, comme il y avait dans la ville beaucoup de commerces de tout type, pour que soit bien référencés et vus ceux qui étaient des vrais créateurs artisans d'art,
l'association des artisans fabricants créateurs de PESNAS, qui existait déjà, a créé avec la ville ce label spécifique que tous les créateurs artisans d'art affichent sur leur boutique, qui permet de les référencer comme étant des gens qui conçoivent et qui fabriquent là, sur place, et non pas sont des revendeurs de Made in China ou Taïwan. Voilà le résultat que ça a donné après 30 ans de politique. Aujourd'hui, 40 artisans d'art sont dans la ville, ont leur atelier, y compris des maîtres d'art et des entreprises du patrimoine vivant, et la plupart sont dans des locaux de la commune. La vacance commerciale, c'est-à-dire les locaux libres, n'existent quasiment pas dans la ville, en tout cas dans le centre ancien. Évidemment, tous les autres commerces ont eu un impact formidable de toute cette politique. Et aujourd'hui, on peut dire que PESNAS est vraiment une référence en France d'une politique métier d'art construite sur la durée, ce qu'on appelle pour une ville de rétro-littoral, c'est-à-dire qu'il n'est pas, comme je vous le montrais tout à l'heure, en bordure de mer, mais a su créer cette attirance par ce choix de politique métier d'art. Je suis désolé, je vais un peu vite, mais il y a beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. Sí, senyor Pocionier, de fet, em sembla que el regidor li estava indicant pel chat. Je crois qu'on était en train de vous dire justement par le chat qu'il faudrait accélérer un peu parce que nous avons les autres orateurs qui sont en attente. Bien sûr. Allez, deux minutes. Juste pour vous citer un autre exemple. Enfin, voilà, ça, c'est quelques photos de la ville, mais je vais passer. Et le deuxième exemple est Olioul, qui est une ville un peu plus grande, qui a fait, pareil, les mêmes choix historiques sur la durée. Eux n'avaient, comme PESNAS, pas de savoir-faire historique, à différence d'autres villes de la Côte d'Azur. Ils ont aussi décidé de racheter du foncier dès 1992, ont installé leurs premiers artisans d'art quelques années plus tard et ont mis ces locaux à disposition avec des loyers modérés, comme vous voyez, à des prix vraiment très, très, très bas. Les six premiers mois, ça fait environ 12% d'un prix de loyer normal. Vraiment, c'était une volonté forte d'attirer des nouveaux artisans. Et aujourd'hui, eh bien, il y en a, dans un centre-ville qui est assez restreint, 33 qui sont installés, dont les deux tiers dans des locaux de la ville. Le turnover des artisans d'art est quasi inexistant, ce qui prouve qu'ils gagnent bien leur vie. Et puis, ça permet à la ville de choisir les meilleurs, et c'est important. Voilà, ce qui est intéressant sur ce petit plan, c'est qu'on voit dans la partie droite, là où il y a tous les chiffres, en fait, ça, c'est le centre ancien. Et toutes les rues, les 6 ou 7 rues dans les deux sens, ont été complètement quadrillées par la ville qui a cherché à racheter des locaux dans ces 4-5 rues et qui a installé les uns à côté des autres des artisans d'art. Et la politique, elle marche très bien. Les résultats sont absolument excellents. Et ça a permis aux autres quartiers de se mixer avec celui-là pour créer de l'afflux touristique. Bon, et puis, ils ont eu d'autres actions. Vaut absolument énorme, qui est aussi dans le centre-ville, ce qui fait un deuxième point d'accroche en plus des artisans d'art. Voilà ce lieu. Et une galerie, ça c'est important parce que la ville a aussi racheté un local qu'il a mis à disposition de l'association des métiers d'art. Et c'est l'association qui prend en charge la gestion, la promotion, l'animation de ce lieu. Et ce lieu vend évidemment les artisans d'art de la ville et invite aussi des artisans d'art d'ailleurs. Et cet endroit marche absolument très, très bien. Et puis, elle fait du fléchage, elle crée des documents, voilà, tout un panel d'actions de communication. Voilà, j'ai fini. Et je veux vous passer 2-3 messages de conclusion parce qu'il me semble important. Ces politiques métiers d'art, elles doivent être des politiques durables. C'est-à-dire qu'on ne construit pas des plans métiers d'art sur quelques années, mais souvent sur 10-15 ans. Vous l'avez vu là, c'est dans ces deux cas, c'est 30 ans, mais par expérience dans le réseau, je sais et je vois que ces politiques ont des bons résultats au bout de beaucoup d'années.
Et c'est un outil puissant, les métiers d'art, de revitalisation de cœur de ville. Ça ne doit pas forcément être le seul, mais c'est un outil puissant. Et toutes celles qui ont fait ce choix-là, on l'ont fait en mettant le curseur le plus haut possible pour avoir des artisans d'art de qualité. Le nivellement par le bas n'est pas une politique. Et puis je dirais qu'il faut souvent accompagner les artisans d'art. Ce sont des gens seuls, ce sont des entrepreneurs individuels, et plus on est avec eux, près d'eux, plus leur développement est harmonieux. Et ils sont là aussi pour gagner leur vie. Et puis, la conclusion de ma conclusion serait de dire que ben, les artisans d'art sont ce sont souvent des métiers extrêmement visuels. Ils interpellent le passant, ils poussent au dialogue avec eux, parce qu'ils sont souvent très heureux de parler de leur savoir-faire. Ils créent du lien. En gros, ils remettent souvent de la vie au cœur d'un centre-ville qui le mérite. Molt bé. Moltes gràcies, senyor. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Poissonnier. Et je vous demande des excuses pour cette accélération. C'est très intéressant aussi l'intérêt et ce que vous avez mentionné par rapport donc à l'intérêt de ces politiques pour que tout soit durable, étant donné que le concept de la durabilité est un élément fondamental de tous les projets. Maintenant, si vous me le permettez, je vois qu'il y a certains commentaires et que vous pouvez voir sur le chat. Nous allons donc maintenant passer la parole à l'intervenant suivant et nous répondrons les questions après. Je vais maintenant passer la parole à Soledad Bravo, qui est représentante de la Chambre de commerce de Barcelone et qui va nous parler des activités organisées dans le cadre du projet Copart. Soledad, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vois que nous avons vraiment beaucoup de retard. C'est pour cela que je vais essayer de passer très rapidement. Nos collègues avaient prévu une vidéo. S'il vous plaît, dites-moi si nous pouvons passer la vidéo. Sinon, de toute façon, je vais maintenant partager ma présentation, qui est très simple. Et principalement, ce que nous voulons, c'est vous transmettre tout ce que nous avons appris et tout ce que nous a apporté le projet Copart dans le cadre du POCTEFA en Europe, qui nous a donné l'opportunité de partager, d'apprendre avec nos partenaires catalans et français leur grande expérience dans le secteur de l'artisanat et qui nous a aidés en tant que députation de Barcelone à rentrer dans un secteur où nous n'étions pas encore présents, où nous avons pu connaître, identifier le secteur de l'artisanat dans notre province et aussi à identifier les besoins principaux. Car nous avons avant tout, nous devons savoir et identifier les déficits pour voir un petit peu ce que nous pouvons faire, nous, depuis l'administration publique, pour promouvoir l'artisanat. Une des premières questions que nous avons menées à bien lorsque nous avons entamé ce projet en 2008 a été d'organiser une étude par rapport aux produits d'artisanat et la commercialisation de ces produits pour connaître un petit peu le positionnement du secteur, principalement dans la province de Barcelone. Grâce à cela, nous nous sommes rendus compte que les caractéristiques principales de l'artisanat en Catalogne sont la spécialisation territoriale par rapport à la céramique, le verre et le cuir. 65% des entreprises ont une personnalité juridique et concrètement sont des personnes physiques et plus ou moins la moyenne d'âge est de 30 ans. Une autre chose que nous avons pu aussi identifier, c'est qu'il y a un manque de connaissances des projets artisans.
Il y a donc un manque de visibilisation des produits et des activités artisanales dans le tissu commercial, mais aussi en général dans les projets publics. Il y a donc un manque de projets communs et transversaux depuis les administrations publiques avec d'autres secteurs productifs de l'économie locale. Et il était donc intéressant de voir un petit peu comment le secteur de l'artisanat est directement ou peut-être directement lié aussi au secteur touristique. Nous avons aussi identifié les barrières principales pour parvenir à plus de maturité du secteur. Une structure entrepreneuriale centrée, par exemple, sur les petites entreprises, parce qu'il s'agit de petites entreprises, il y a peu de capacité de captation. 49,4% des entreprises ont moins de 600 000 euros en chiffre d'affaires par an, ce qui est un point important donc à renforcer. Nous avons vu aussi qu'il y a un bas niveau de professionnalisation, surtout par rapport à la structure commerciale, c'est-à-dire la gestion d'entreprise, la structure de business. Nous avons aussi vu un niveau de formation spécialisée qui est bas en général. Je ne parle pas de la formation en artisanat. Évidemment, là, nous voyons qu'il s'agit d'une tradition qui passe de génération en génération et donc il y a là une grande professionnalisation. Je parle plutôt de tout ce qui a trait au modèle commercial. Et il y a aussi toute la question des doubles profils dans le secteur, le commerce artisanal traditionnel par rapport au nouveau commerce artisan. Et l'impact aussi des tendances du marché. Même si en Catalogne, pendant les dernières années, il y a eu une grande croissance des artisans et des artisanes sur notre territoire. En fait, les données nous disent que la Catalogne donne du travail, crée du travail pour plus de 12 000 personnes avec plus de 400 millions d'euros en général, ce qui représente donc une augmentation du registre d'artisans accrédités. Il y a donc des tendances du marché qui sont négatives, comme par exemple la crise économique, l'impact de la pandémie de la COVID, mais il y a aussi un secteur il faut le dire aussi, c'est un secteur qui est chaque fois plus présent dans notre économie. À partir de là, à partir de cette identification, nous avons vu aussi qu'il y a des défis et des opportunités. Nous nous sommes rendus compte que le produit artisanal est un produit qui peut avoir un long parcours. Il faut travailler donc dans l'amélioration qualitative du produit artisanal et qui est directement lié aux nouvelles valeurs, aux tendances de la consommation actuelle, une consommation responsable, une consommation qui met en valeur tout ce qui est recyclable, toutes les questions plutôt directement liées à la durabilité. Nous voyons aussi qu'il s'agit d'un secteur qui a beaucoup de possibilités, surtout en ce qui concerne la capacitation d'entreprise. C'est un secteur aussi qui a la possibilité de créer des associations, des alliances. C'est aussi un secteur qui introduit les nouvelles tendances de consommation. Et il y a aussi la possibilité donc de vendre également sur les marchés étrangers. C'est un petit peu ce que nous disaient nos collègues. Des expériences qui ont été présentées ici aussi ce matin avec ce potentiel, par exemple, de la numérisation et de profiter des nouveaux canaux de vente. Et il s'agit d'un secteur qui a beaucoup d'intérêt avec le secteur touristique. C'est quelque chose que nous verrons aussi parce que c'est un point que nous avons beaucoup abordé dans la députation de Barcelone. Et il s'agit d'un secteur qui encourage l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Compte tenu de l'impact de la crise sanitaire qui découle de la COVID, il s'agit d'un secteur qui pourrait permettre la réactivation aussi de l'emploi sur notre territoire. Et pour terminer,
Nous avons pu aussi identifier qu'un des manques principaux, c'est précisément le manque de soutien des administrations publiques. C'est là où nous avons donc un domaine très important à parcourir, c'est-à-dire que l'administration publique devrait chercher de nouvelles tendances, de nouvelles stratégies pour pouvoir soutenir le secteur. Nous avons pu apprécier que l'artisanat apporte une valeur singulière au commerce de proximité. Il s'agit d'un produit unique, authentique, innovant, de tradition culturelle qui nous permet donc de faire en sorte que le commerce soit quelque chose de singulier. Dans un monde où tout est chaque fois plus cloné, plus identique, donc l'artisanat peut donner cette valeur singulière à notre commerce, quelque chose qui est indispensable sur notre territoire. Prendre tous les éléments nécessaires pour sa réactivation. Une fois tous ces besoins identifiés, les actions que nous avons menées à bien dans notre département de commerce s'est centrée sur ces éléments de réactivation. Parmi ceux-ci, la communication, c'est-à-dire faire en sorte que ce secteur soit considéré un secteur à grande opportunité afin de promouvoir le commerce et principalement le commerce de proximité. Si on ne visibilise pas ce secteur, évidemment tout ce qui est là ne se voit pas et donc n'existe pas. Le premier pas, c'est donc de situer tout ça sur l'agenda politique, de vraiment se centrer sur les priorités et les lignes stratégiques de notre corporation, mais aussi de toutes les actions municipales. À partir de là, nous avons aussi organisé différentes journées, nous avons participé au congrès des artisans de la Catalogne et nous avons traduit tous les matériels dans le cadre du COPART pour pouvoir compter sur tous les citoyens. En deuxièmement, nous nous sommes centrés aussi sur la formation et l'accompagnement, qui sont deux éléments clés. Une formation par rapport à tout ce qui a trait à la capacité commerciale, à la construction d'un modèle d'entreprise compétitif, pouvant avoir vraiment un rôle clé dans le secteur économique local. Nous avons pu aussi organiser différentes formations en présentiel, même si évidemment à cause du confinement et de la pandémie, nous avons dû nous adapter. Et donc, c'est à partir de là que nous avons organisé différents séminaires en ligne qui ont été très centrés sur le marketing numérique et autres. Nous avons également élaboré un plan stratégique qui est le fruit, qui est le résultat de l'identification des obstacles et des opportunités, qui nous a permis donc de construire l'offre actuelle de produits d'artisanat, qui nous a permis aussi d'identifier les principales stratégies, les principales lignes directrices pour pouvoir augmenter la présence des produits d'artisanat dans les commerces locaux. Ce plan stratégique nous a montré également que si nous voulons vraiment faire en sorte que la promotion de l'artisanat soit vraiment un succès, il faut créer des alliances et des stratégies partagées avec différentes administrations publiques, avec différentes institutions ayant un poids dans le secteur commercial de notre territoire. Et c'est pour cela que nous, comme corporation, nous savons qu'il faut que nous ayons un rôle très actif dans le monde politique et dans la définition des politiques publiques. Nous avons pu aussi montrer que de nouveaux modèles et flux de consommation sont en train d'être créés. Il s'agit de voir un petit peu comment les relier à l'artisanat. Et nous avons pu voir aussi que l'artisanat nous présente un modèle très centré sur des valeurs comme par exemple la durabilité, c'est un autre des aspects importants à soulever, et aussi toute la transversalité avec d'autres secteurs productifs comme par exemple le tourisme. Nous sommes très contents de voir
que l'artisanat est un modèle de business intéressant pour notre économie. Il faut donc le promouvoir. Il faut que l'artisanat soit capable d'offrir un produit qualitatif, excellent, basé sur la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et social du territoire. Et en plus, il s'agit donc d'une valeur ajoutée. Nous avons également élaboré un guide d'entrepreneuriat dans notre projet Copart, cofinancé aussi par le FEDER, pour pouvoir répondre un peu à ce que je disais avant, pour répondre au manque de capacitation ou de connaissances en profondeur des habiletés nécessaires pour développer une entreprise, un modèle d'affaires compétitif qui devrait pouvoir donc être comme une sorte d'entreprise et qui devrait permettre aussi donc d'améliorer le chiffre d'affaires. Augmenter donc la compétitivité, augmenter le positionnement sur le marché, améliorer la gestion d'entreprise, la gestion commerciale et tout ce qui a trait au marketing et les ventes. Et excusez-moi, mais je voulais aussi vous dire que ce guide est sur notre site web et le guide est à disposition des techniciens municipaux qui travaillent dans la promotion économique et commerciale, mais aussi à disposition de tous les commerces et de tous les artisans et artisanes. Un autre des projets que nous avons lancé et dont je me sens très fière parce que je pense qu'il s'agit d'un projet vraiment très intéressant qui aura un impact très important, c'est la création d'un itinéraire transfrontalier pour mettre en valeur les produits des entreprises d'artisanat. Il s'agit d'un site web qui fait la promotion de tous ces produits, qui donne une visibilité aux ateliers d'artisans existants et qui rattache tout cela au marché touristique. Donc, un marché touristique durable en Catalogne et en Occitanie. C'est un projet qui a été présenté la semaine dernière et il s'agit d'une plateforme qui peut donner beaucoup de visibilité et connaissances au secteur de l'artisanat ainsi que des productions artistiques merveilleuses. Des milliers d'artisans et d'artisanes doivent nous découvrir cela pour nous rapprocher de ce talent qu'elles sont en train de développer et qui nous offre vraiment un parcours touristique absolument intéressant. Comme je vous disais, pour terminer, la semaine dernière, nous avons organisé un salon virtuel, le premier salon virtuel organisé par les responsables du commerce, donc une expérience toute nouvelle, un événement que nous avons voulu organiser en profitant de tout ce que nous avions fait dans le Copart avec ces expositeurs pendant 5 jours qui nous ont permis donc de partager les journées, les interventions avec toutes ces vidéos donc de nos expositeurs. 5 jours vraiment très très intenses avec beaucoup d'activités, plus de 5000 visites de notre site web et aussi sur Instagram. Nous avons donc pu augmenter notre base de données en plus de 400 nouveaux registres. Je pense donc qu'il s'agit d'une expérience très positive qui peut montrer à l'administration publique et au secteur public l'importance donc de nous centrer sur l'artisanat, de prioriser l'artisanat comme une des lignes stratégiques les plus importantes à travailler dans le secteur commercial. Bien, je pense que c'est tout. Je voulais tout simplement vous remercier. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet Copart, qui nous ont donné donc la possibilité donc d'insister sur ce potentiel pour la province de Barcelone. Il s'agit d'ouvrir les frontières et à partir de maintenant, nous allons continuer à travailler donc sur nos lignes stratégiques. Merci beaucoup. Merci Soledad, merci pour ces réflexions finales qui
Attendez. Oui, excusez-moi. Comme je disais, merci beaucoup de nous avoir présenté cet éventail et ces nouvelles lignes dans la députation de Barcelone. Et avant donc de passer aux questions qui sont sur le mur, nous aimerions maintenant donner la parole à une de nos artistes qui est céramiste à Vic et qui nous a envoyé une vidéo. Jonathan, s'il te plaît, peux-tu afficher la vidéo de cette professionnelle? Picava al mur, que ja era grandeta, cap als 40. Vaig anar a l'escola de l'Arts d'aquí a Vic, i després vaig acabar el recorrer de pintura vaig apuntar al grau superior de ceràmica artística. Realment no sé gaire on em picava. I més en plan com a hobby, però llavors quan vaig veure que decidir que em volia dedicar. Bueno, ara mateix la meva vida és totalment la meva feina, o sigui, m'entusiasma. Has de llevar-te al matí i saber que vas a fer una cosa política, que vas a dissenyar, que vas a fer productes nous, que vas a fer producció i bueno, intentar que arribi el màxim gent possible. Vull dir que ara mateix és la meva vida. Per mi hi ha dos temes molt importants amb el tema de, per començar, és tot el tema dels impostos, de que necessites pagar un lloguer, de que necessites un autònom, de que has de fer un nom... O sigui, els inicis penso que és molt dur per tots aquests aspectes, no? De que són molts gastos de cop i no dones per tot, no? Llavors l'altre també és que normalment l'artesà el que ha d'acabar fent és que ha de fer... Has de saber de fer les fotos, portar-te a les xarxes socials, anar-te de venedor... I moltes vegades em diuen, no, podries anar aquí, podries anar allà, podries anar a vendre, podries anar a fer això, podries anar a aquesta aquí, i dic, bueno, i està el taller per lluir, no? Quan és un artesà, el artesà fa sol, com és el cas, no? Que llavors és trobar aquest equilibri entre, ostres, tinc molta feina, m'haig de quedar el taller tancada, però mentre estic al taller no em promociono, no em coneix, no surto fora, no em faig propaganda, no tinc de fer-me les... I és com que has de saber fer molt de tot i és molt estressant, no tens horari ni caps de setmana. El futur jo penso que passa molt per la divulgació. I molt que tinc el món empresarial, de la meva família, que sempre ha tingut empresa i fàbrica i en produït i etc. Jo penso que això el tinc com molt inculcat. La diferència que tinc a vegades amb altres empresaris és que ells es cuiden molt tècnicament de vendre i de fer un producte de molta qualitat, però després no el saben vendre, o no el saben divulgar, o no el saben presentar, no? Llavors jo penso que aquí s'hauria de... O sigui, ara tenim les eines per fer-ho, no? I penso que hi ha cursos, el pots mirar per l'internet, o sigui, jo penso que ha de passar més per la divulgació del producte que fas, perquè si no es queda a casa. Llavors jo penso que el futur està amb la divulgació, l'expressió, la comunicació... Penso que hauríem de tenir molt en compte que qui vol iniciar un taller, una producció artesanal, s'hauria d'agafar com qui vol obrir una botiga o un bar, no? Si hi ha un recolzament econòmic o que ja pugui sortir una base. He vist molta gent que ha passat que amb els diners que havia de créixer amb els diners que anava fent i un peix que es mossegava la cua, no? Llavors no acabava mai d'anar a fer una empresa perquè no els dona prou. Llavors penso que hauríem de tenir més aquesta mentalitat empresarial de dir, a veure, quins gastos tindré, com ho haig de fer, no només pensant en aquí posaré el torn, aquí posaré això, o faré aquestes tassetes molt bones, perquè és que això ja ho després. No? I penso que els artesans en general haurien de mirar-se molt de l'artesan empresarial per no fracassar econòmicament, perquè potser fa un producte molt bo, molta qualitat, però no surt. I jo penso que això és el fall que tenim, no? Que està molt econòmicament.
s'ha donat molt de treballar i fer els números molt ben fets. Tinc el micro apagat. Molt bé, fantàstic aquest testimoni. Ah, fantàstic, vraiment merveilleux, cette vidéo, ce témoignage de Sama Genis qui nous explique l'utilité de son projet. Nous allons maintenant brièvement, bon, vous voyez certains des commentaires qui ont été faits sur le mur, mais je ne sais pas s'il y a des questions concrètes pour Soledad Bravo de la députation de Barcelone. En tout cas, mes collègues françaises, Graciela, si vous pouvez lire la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Il y a une question pour Soledad. Est-ce que le projet Copart a permis à la députation de Barcelone de soutenir et de collaborer de façon plus précise avec les professionnels des métiers d'art? Et une deuxième question qui portait sur l'organisation de la feria et la manière dont vous avez communiqué pour cet événement. Oui, excusez-moi, mais je n'avais pas activé la traduction. Je vous demande des excuses. Pas de souci, je répète. J'ai seulement entendu la première partie de la question. Alors, Il y a une première question. Okay. Est-ce que c'est activé maintenant? Oui, c'est activé, dit Soledad. Je vous demande des excuses, dit Soledad. Maintenant, tout est activé. Graciela, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. La question, c'est: est-ce que le projet Copart a permis à la députation de Barcelone de soutenir et de collaborer de façon plus précise avec les métiers d'art, avec les professionnels des métiers d'art? Ça, c'était la première question sur la collaboration avec les métiers d'art. Et la deuxième question porte sur la manière dont vous avez communiqué pour valoriser et informer sur la tenue de cette feria virtuelle. Voilà, parfait. Merci. Merci beaucoup, Graciela. Et alors, pour ma première question, le projet Copart nous a permis d'identifier les besoins d'un secteur que nous, en tant que députation, en tant qu'administration publique, nous n'avions pas trop développé. En tant qu'administration publique, nous travaillons principalement pour les municipalités. 311 municipalités qui constituent la province de Barcelone, sans tenir compte de la ville de Barcelone, de la capitale. Nous essayons donc de soutenir les municipalités, les mairies, pour qu'après ce soit eux qui développent les politiques publiques. Nous ne travaillons pas directement avec les citoyens, nous n'avons pas de compétences pour le faire. Mais avec des projets comme celui-ci, européen, transfrontalier, avec des expériences comme celle-ci, nous avons pu créer une base de données, une sorte de registre d'artisans, d'artisanes de la province. Donc, la plupart de nos démarches s'adressent, se font par le biais des mairies, des organisations municipales, pour qu'après ce soit eux qui se mettent en contact avec les artisans. D'autres actions peuvent être faites un petit peu plus directement. Mais en fait, maintenant, nous essayons de voir un petit peu ce que nous devons faire. Je veux dire que une chose est très claire, il faut exploiter tout ce talent qu'il y a dans notre province et relier tout cela au tourisme. C'est donc maintenant, c'est à partir de maintenant que nous pouvons commencer à faire un travail un peu plus centré sur les gouvernements locaux pour qu'ils puissent vraiment eux aussi promouvoir le secteur artisanal dans leur ville. Donc je réponds, nous ne pouvons pas travailler directement avec les artisans, mais par le biais des mairies et des municipalités. Quant à la deuxième question, la foire virtuelle, nous avons beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, sur le site web et sur les médias, qui nous ont permis d'adopter peut-être ce format un petit peu plus virtuel, des communiqués de presse, mais aussi virtuels. Nous n'avons pas fait de magazine ni d'article. Nous avions prévu,
en fait, en juin, mai-juin, peut-être de rappeler cette foire et l'existence de cette foire et de répéter des expériences comme celle-ci. Mais donc, nous, nous sommes surtout, comme je disais, centrés sur le format virtuel, les réseaux et les médias virtuels. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, merci. Merci beaucoup, Soledad. J'aimerais tout simplement insister aussi sur deux réflexions qui sont sur le Spark Up. Il y aurait le fait très intéressant, l'impact de l'artisanat, la planification urbaine, etc., d'un côté, et de l'autre, un commentaire qui nous dit qu'il faut évidemment que les maires et les mairesses soient sensibles au métier de l'artisanat pour que tout ceci avance, car souvent les artisans n'ont pas les moyens pour promouvoir tout cela. Donc, en ce sens, il est très important qu'il y ait cette sensibilité du monde local, de l'administration locale. Bon. Nous sommes déjà en retard, donc je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer avec notre journée et nous allons maintenant faire un exercice de brainstorming, de pluie d'idées, à partir d'une question que mes amis Pilar, Graciela vont mettre sur la table pour vous. À mettre donc sur l'écran pour vous et que vous pouvez répondre directement sur le Spark Up. Voilà la question. Donc, vous êtes un élu ou responsable de collectivité. Comment incitez-vous aux professionnels des MA à venir s'installer dans votre commune? Donc, imaginez que vous êtes maire ou mairesse d'une ville. Imaginez que vous êtes responsable d'une municipalité ou d'une collectivité. Comment inciteriez-vous, encourageriez-vous les professionnels de l'artisanat à venir s'installer dans votre commune, dans votre village? L'idée, la première idée donc qui vous vient à l'esprit, vous pouvez l'écrire ici donc sur le Spark Up. Oui. Pilar, Graciela, si vous souhaitez lire la question en français. Donc, la question, c'est, vous êtes un élu ou un responsable de collectivité, comment incitez-vous les professionnels des métiers d'art à venir s'installer dans votre commune? Bon, là, il y a ma qui... Parfait, nous voyons donc là une première contribution. Quelqu'un qui nous dit en offrant des ateliers à un prix réduit, la location donc de l'atelier à un prix plus réduit. A veure, la més potser... Alors, je vais peut-être mentionner celle qui a le plus de likes. Ça serait donc ces locaux et ateliers à loyer réduit. Autres commentaires qui vont aussi dans cette même direction. Les espaces de travail, le prix des locaux, les espaces de collaboration professionnelle, l'endroit d'exposition de l'art contemporain. Nous voyons donc que la question du prix, sans doute, crée beaucoup de likes, de lieu à beaucoup de likes, des espaces adaptés aussi, investissement en patrimoine matériel et immatériel, communication. Bien, je pense que c'est tout. Je ne vois pas d'autres commentaires, n'est-ce pas? Nous voyons donc que la question des espaces et donc des ateliers à un prix acceptable
la collaboration aussi avec les professionnels. Bien, nous voyons que c'est les choses qui sont le plus commentées dans notre exercice, sur notre chat, si vous avez d'autres choses à dire. Sinon, bien, on peut s'en arrêter là. Mais cela nous aide beaucoup, nous aide à voir où se trouvent les goulots d'étranglement du point de vue donc, de l'implantation des artisans dans les centres urbains, dans les villes. Merci beaucoup, merci pour cet exercice. Et en tout cas, nous allons poursuivre avec la dernière partie de notre session ce matin. Donc, avec Joseph Gesti, qui est coordinateur du conseil comarcal de la Selva. Pep Gesti, Jonathan, j'ai besoin de ton aide. Oui, merci. Bonjour, oui. Parce que je viens de recevoir un message étrange. C'est qui parle? C'est Pep Gesti du conseil comarcal de la Selva. Bon, on va donc mettre la vidéo, on va activer nous-mêmes la vidéo de M. Gesti, voilà. Ah, parce que comme ça, on le voit, sinon on ne le voyait pas. Oui, alors voulez-vous commencer avec votre vidéo? Non, non, moi je n'ai pas de vidéo. Non, non, il parlait de l'image. Oui, c'était pour que vous puissiez me voir. Voilà, parfait. On vous voit et on voit aussi la présentation, parfait. Oui, bonjour. Très, très brièvement, parce qu'on doit aller directement au vif du sujet, je vais essayer de vous expliquer l'expérience d'une zone de l'aire de la Selva qui s'appelle Terre Brugène, c'est le point que vous voyez là en rouge. Il s'agit d'un espace constitué par 5 petits villages de 100 à 5000 habitants et qui se trouve principalement en milieu rural. Nous ne sommes pas dans une zone urbaine, nous sommes en dehors du circuit principal du tourisme et à part ceci, lorsque nous avons fait le diagnostic de notre région, il faut dire que nous avons des aspects très singuliers, surtout si nous comparons à d'autres partenaires du COPART. Par exemple, nous avons vu qu'il y a certaines villes parmi nos collègues qui sont très centrées sur l'artisanat. Ce n'est pas le cas de notre territoire. Le territoire où nous travaillons est un territoire très rural et l'artisanat n'a pas donc une masse critique importante sur notre territoire. Ce n'est pas un territoire spécialement touristique. Il y a une certaine activité artisanale, mais cette activité est une activité de coexistence avec d'autres. Il s'agit donc d'activités complémentaires à côté d'autres activités. Et donc, de ce point de vue, nous sommes dans un territoire qui n'est peut-être pas fortement artisanal, mais qui reproduit une situation très typique d'autres territoires où il n'y a pas peut-être cette spécialisation. Une situation donc que nous pouvons trouver aussi dans d'autres municipalités qui ne sont pas spécialement artisanaux. Nous allons voir que se passe-t-il avec ces territoires qui ne sont pas spécialement intenses en artisanat, mais qui souhaitent faire encore en sorte que l'artisanat devienne une sorte de levier. Donc, en tant que partenaire du projet, dans ce contexte que je viens de décrire, nous aimerions donc voir comment cet artisanat qui n'est pas intense mais qui est présent pourrait améliorer la compétitivité des entreprises
qui sont consacrés à l'artisanat. Et comment donc faire en sorte que l'artisanat devienne une sorte d'appât artistique et touristique. Et donc, c'est dans ce contexte concret que nous souhaiterions voir comment nous pouvons, par le biais de l'artisanat, renforcer tout cela. Nous nous sommes centrés principalement sur deux secteurs clés, les artisans et les artisanes, parce que sur notre territoire, il y a certains artisans, peu, mais certains, qui s'y consacrent professionnellement, surtout dans le monde du bois, du textile, des meubles, des bijoux. Nous avons donc certaines personnes qui ont ces lignes de travail artisanat, mais il y a aussi des personnes reliées au design, au monde de l'art, du design, au monde de l'artisanat qui s'y consacre un peu, qui ne savent pas encore si ces activités pourraient devenir une solution professionnelle ou pas. Il y a donc ces deux modèles. Ceux qui ne considèrent pas celle-ci comme une solution professionnelle et d'autres qui sont déjà en train d'y penser. Et nous essayerons aussi de voir, du point de vue de la municipalité, quelles sont les potentialités de cet artisanat non intensif en tenant compte des autres secteurs d'intérêt pour, comme cela, pouvoir avoir plus d'activités artistiques, culturelles et, comme cela, être beaucoup plus attractif. Créer donc ces conditions sur le territoire pour y parvenir. En ce qui concerne le premier groupe d'activités, qu'avons-nous fait? Comment avons-nous essayé de contribuer, d'aider les artisans? Comment aider donc les entrepreneurs de notre territoire? Après des journées de participation où les artisans ont expliqué leurs besoins, nous avons préparé 4 actions de formation auxquelles ont assisté une dizaine de personnes qui essayaient donc de donner une réponse aux non-professionnels qui pouvaient peut-être donner plus d'élan à l'artisanat comme activité professionnelle. On essayait donc de leur présenter les stratégies de l'artisanat et aussi de tisser un lien avec le secteur touristique, etc. Nous avons aussi élaboré un deuxième groupe d'action, d'accompagnement pour ceux qui étaient déjà des artisans ou ceux qui avaient déjà une société d'artisanat. Donc, les ateliers, le conseil par rapport au fonctionnement de l'entreprise, du produit, etc. D'un autre côté, nous avons aussi organisé différentes rencontres de networking, de réseautage. C'est un format qui fonctionne très bien, où nous avons mis en contact les différents professionnels et entrepreneurs du territoire avec des exemples très intéressants du point de vue de l'apprentissage et des collaborations aussi postérieures. Pour faire des produits conjoints. Et finalement, nous avons aussi fait une ligne de support à la promotion en collaborant avec eux pour qu'ils aient un portefeuille de leur activité et après aussi en organisant un dossier physique et un ensemble de campagnes pour pouvoir promouvoir l'artisanat de la zone et chacun aussi dans sa discipline.
Vous voyez ici, par exemple, d'autres exemples avec une vingtaine d'artisans qui étaient déjà peut-être des professionnels et qui avaient donc la possibilité de promouvoir leur activité aussi avec un site web ou dans tous ces cas. Comme deuxième bloc, comme je disais avant, nous essayons aussi de voir comment inscrire, comment mettre l'artisanat dans l'amélioration aussi de l'intérêt touristique de la région. Et ici, ce que nous avons fait, c'est essayer de voir comment l'artisanat pouvait rentrer ou s'inclure dans des activités qui existent déjà dans la municipalité. Ce n'était pas facile parce que ce n'était pas facile d'organiser une foire, toute une série d'événements, d'espaces uniquement consacrés à l'artisanat. Nous pensions qu'il y avait peu de masse critique pour faire ceci. Par contre, dans les foires, dans les espaces et les événements qui se faisaient déjà dans la municipalité, qui avaient déjà un certain public, où il y avait déjà une complémentarité, nous avons pensé donc à incorporer là l'artisanat comme une sorte d'attrait additionnel. Et surtout, il s'agissait d'événements qui existaient déjà et qui ont permis d'incorporer l'artisanat dans leurs activités. Et ici, nous avons un dernier exemple. C'est la foire de Saint-Martin dans le village d'Amer, une foire traditionnelle avec un long héritage. Nous avons là organisé une rue, c'est la rue des artisans, où ces artistes exposent leurs travaux. C'est un espace pensé exclusivement pour le monde artisanal. À Anglaise, nous avons aussi la foire de San Antonio, la foire de Saint-Antoine, dans ce petit village Anglaise, où les produits étaient présentés en direct au public participant. Un troisième cas, c'est le village de Jusqueda, un village très petit, où nous profitions donc des fêtes, des grandes fêtes populaires, afin d'organiser des ateliers d'artisanat où les participants donc à ces fêtes populaires pouvaient aussi participer. Un peu différent ici, un autre village, San Giulia d'Aiori Bonmati. Nous avons décidé de renforcer donc ici et d'introduire la peinture et le dessin comme technique pour l'artisanat. Ce village. Et finalement, la Sellera de Terre. C'est une association qui a organisé une foire des luthiers. Un week-end, ils présentaient là leurs œuvres et leurs pièces artisanales avec toute une série aussi de conférences, de journées, de séminaires, d'échanges professionnels entre les différents luthiers qui ont participé donc à cette foire. Voilà donc les deux grands blocs que nous avons travaillés dans notre territoire. Le support à ces artisans et l'introduction du monde artisanal par rapport à des événements qui existaient déjà sur le territoire. Merci. Jusque-là, nous sommes ouverts donc à toute autre question. Très bien, merci Pep. Il y a des questions à l'Esparcap, mais comme nous avons fait avant, nous cédons maintenant la parole à Flavie pour qu'elle nous explique son projet. Et ensuite, on reviendra au mur des questions-réponses. Très bien. Donc, Flavie.
Flavie Estrem, je ne sais pas si je prononce bien votre nom de famille, l'oratrice. Dès que vous voulez, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais. Vous m'entendez? Si. Donc, je vais partager mon écran. Flavie, excusez-moi que je vous interrompe pour que les traductrices puissent bien vous suivre. Maintenant, on vous écoute bien, mais je pense qu'avant, vous aviez peut-être la main ou quelque chose sur le micro. Et faites un essai maintenant, parlez. Oui, vous m'entendez? Voilà, merci. Maintenant, c'est mieux. Je ne sais pas comment mettre le plein écran. Pas de souci, juste en bas où il y a marqué commentaire, juste à droite de commentaire, dans votre PowerPoint, juste en bas. Ah oui, voilà, oui, ça y est, ça me revient, pardon. Voilà, pas de souci, on va voir si c'est bon. Et là, paramètres d'affichage, si vous pouvez mettre dupliquer le diaporama. Oui, parfait. Je l'ai fait là, ouais, voilà. Super, merci. Donc, je suis Flavie Estrémy, je suis chargée de mission commerce et artisanat à la mairie de Martres-Toulousaine depuis 10 ans maintenant. Donc, je vais essayer de vous montrer les actions engagées par la commune de Martres-Toulousaine pour le développement territorial de la commune par les métiers d'art et de compléter également avec les actions que l'on a mises en place dans le cadre du POCTEFA. Donc, il y a des actions qui ont été engagées avant le POCTEFA et qui sont en cours actuellement avec le POCTEFA. Donc, Martres-Toulousaine, c'est une cité artiste, c'est la cité de la faïence. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas la commune. C'est aussi une cité connectée, vivante, avec son salon des arts et du feu, une cité d'exposition avec le grand presbytère, une cité des métiers d'art. Martres est passée de cité de la faïence à cité des métiers d'art, je vous expliquerai comment. C'est également une cité collaborative et dernièrement, une cité de partage et de valorisation avec le projet de la faïencerie du Maté. Donc, Martres, cité de la faïence, c'est une production continue et sans cesse renouvelée depuis le XVIIIe siècle. Donc, c'est-à-dire que les faïencières, donc je dis les faïencières parce qu'il ne nous reste plus que des femmes qui perpétuent le savoir-faire, elles utilisent toujours le même savoir-faire. Seulement aujourd'hui, donc les décors et les formes des pièces ont changé, mais le savoir-faire est toujours le même depuis le XVIIIe siècle. Donc, il est toujours vivant. On a actuellement 5 ateliers qui perpétuent ce savoir-faire, qui sont complétés par 4 autres ateliers d'art. Donc, on a un horloger bijoutier, on a une tapissière d'ameublement, une plasticienne qui fait aussi de la gravure, et dernièrement, sculpteur céramiste qui vient de s'installer sur la commune. Donc, Martres-Toulousaine, c'est aussi une cité connectée. Donc, on est justement labellisé Ville et Métiers d'Art depuis 2006. Donc, ça, c'est le label que vous a présenté M. Poissonnier tout à l'heure. On a également une convention de partenariat avec le réseau des ateliers d'art de France depuis 2012, notamment pour le salon et le grand presbytère. Cette convention nous permet de financer des actions de nos manifestations, mais également nous apporte toute une ingénierie et de conseils pour la recherche d'artistes et le développement des métiers d'art. Martres a aussi depuis 2008 une association des faïenciers de Martres-Toulousaine qui s'est ouverte justement aux autres métiers d'art présents sur la commune, avec la création depuis donc 2020 de l'association Martres Art, qui regroupe tous les artistes et les artisans d'art de la commune. Donc, Martres-Toulousaine, c'est une cité vivante avec son salon des arts et du feu, qui a été créé en 2001. Donc, le salon fêtera ses 20 ans en 2021. On devait les fêter là en 2020, mais avec le Covid, le salon a dû être annulé. C'est en moyenne 100 exposants et 12 000 visiteurs par an. Le budget de cette manifestation s'élève à 125 000 euros, dont 40 000 euros en communication. Je trouvais que c'était important de vous le préciser, parce que le succès de cette manifestation passe par la communication.
Le salon a 2500 m² de surface d'exposition. Donc, c'est une manifestation européenne. On a la chance d'accueillir d'ailleurs beaucoup de, enfin beaucoup, quelques artisans, on n'en a pas assez, il en faudrait toujours plus, d'artisans espagnols. On a chaque année un invité d'honneur parraine la manifestation. La manifestation aussi a un îlot des jeunes créateurs d'Occitanie. Donc là, c'est pour mettre en avant 6 à 8 jeunes créateurs pour leur proposer un espace d'exposition gratuit pour une première participation. Donc, ils partagent l'espace, mais cela leur permet de participer gratuitement. Il y a également un prix qui leur est remis sur le thème de Martre. Ils doivent créer une pièce sur le thème de Martre. Et le lauréat qui gagne le prix a une participation gratuite pour le salon de l'année d'après. On a beaucoup de collaborations avec des collectifs d'artistes. On a eu de la chance, justement, dans le cadre du POCTEFA, d'accueillir des céramistes de la Bisbane, où on a la photo là, ci-dessous. Et on développe aussi également d'autres partenariats avec d'autres collectifs. Des animations et des démonstrations sont proposées en ligne et en off du salon, avec des visites touristiques de la ville, des démonstrations de tournage à la corde, de soufflage de verre, et également de concerts et de pièces de théâtre qui sont proposées en dehors du salon. Martre-Tolzane, c'est donc une cité d'exposition avec le Salon des Arts et du Feu, mais aussi avec le Grand Presbytère. Parce que le Salon des Arts et du Feu, c'est une manifestation ponctuelle une fois par an. Donc, pour créer l'événement tout le long de l'année, la mairie a créé en 2015 le Grand Presbytère. Donc, c'est un lieu d'exposition dédié à l'art contemporain et aux métiers d'art, qui accueille donc en moyenne chaque année 10 000 visiteurs. Donc, des artistes de renom et des jeunes artistes à potentiel exposent dans ce lieu. Donc, c'est un lieu, certains ont eu l'occasion de le visiter, c'est un lieu un peu singulier. Il y a une certaine magie c'est un écrin pour les artistes qui met en valeur leurs œuvres et qui permet d'avoir un événement tout le long de l'année et de valoriser les métiers d'art et l'art contemporain sur la commune tout le long de l'année. C'est vraiment un véritable vecteur de développement des métiers d'art de la commune. Donc, Martre-Tolzane, c'est une cité des métiers d'art. Il y a une vraie politique communale d'accueil d'artisans d'art. La commune a contracté en 2019 le dispositif Bourg-Centre avec la région Occitanie qui permet dans son axe 1 de développer toutes les actions des métiers d'art. Donc, récemment, la commune a installé un sculpteur dans un atelier logement communal. Elle a le projet de réhabiliter 2 logements ateliers communaux pour installer de nouveaux artisans d'art. Donc, un qui serait plutôt céramiste, parce que c'est un ancien atelier céramiste, et un autre qui ouvre à d'autres corps de métier. La commune a également actuellement un projet d'un atelier relais dans un atelier boutique faïencier existant sur la commune. Donc, ça serait un atelier partagé entre 2-3 céramistes, parce que là, c'est vraiment un atelier dédié à la céramique, pour leur faciliter leur installation, parce que ce n'est pas facile de débuter une activité en tant qu'artisan d'art. Ça leur permettrait donc d'échanger, d'être accompagnés. On souhaiterait mettre en place un partenariat avec les chambres de métiers, bien sûr, et tous nos partenaires acteurs des métiers d'art. Et ça leur permettrait aussi de partager les coûts de location de la boutique atelier et de favoriser le développement, le démarrage en tout cas de leur entreprise. Ensuite, la commune a beaucoup à cœur de communiquer sur les métiers d'art pour valoriser les savoir-faire. Donc, plusieurs actions ont été engagées par la commune. Je n'ai pas le temps de vous les préciser toutes. Mais il y a eu par exemple une boutique éphémère et dernièrement la route d'Occitanie, donc qui est une course de vélo qui est en amont du Tour de France, qui a donc une belle tête d'affiche, qui a permis, alors la commune a participé à cette course en participant à la caravane publicitaire, donc on a permis de valoriser le savoir-faire faïencier et les artisans d'art au travers des différentes villes participant à cette course.
Donc, Marthe pour Lausanne, c'est aussi une cité collaborative. Donc, il y a beaucoup de pièces qui ont vu le jour par l'intermédiaire du Salon des Arts et du Feu. Beaucoup d'invités d'honneur ont collaboré avec nos artisans faïenciers. Dernièrement, financement participatif a permis de financer la création d'une sculpture monumentale de fer et de faïence qui a été érigée à l'entrée de la ville l'année dernière, en 2020. Donc, c'était l'invité d'honneur du Salon des Arts et du Feu 2018, donc Emmanuel Kieffer, qui a collaboré avec une de nos artistes faïenciers, Stéphanie Joffre, et qui offre à l'entrée de la ville une belle sculpture valorisant le savoir-faire faïencier, mais également les arts du feu qui sont présents chaque année sur le Salon des Arts et du Feu. Et donc, dernièrement, la commune s'est engagée dans le cadre du projet POCTEFA à une étude de valorisation de la faïencerie du Maté. Donc, c'est une ancienne faïencerie qui a été rachetée par la commune de Martres-Tolosane en 2014. Donc, cette étude est sur la fin. Quatre grands axes ont été mis en avant dans le cadre de cette étude. Je n'ai pas le temps, bien entendu, aujourd'hui de vous les préciser dans le détail. Mais pour vous donner un ordre d'idée, cette étude va nous conduire à nous orienter vers un pôle avec une véritable pépinière qui nous permettra d'accueillir de nouveaux artisans sur le site et sur la commune de Martres. Il y aura également un pôle animation qui permettra à des particuliers, par exemple, de découvrir les métiers d'art au travers d'ateliers, mais également aux professionnels de participer à des formations, des masterclass. Il y aura également un pôle de visite qui permettra de connaître l'histoire et les secrets de la fabrication des pièces de faïence. On a un site assez exceptionnel. Qui est avec un atelier qui est resté dans son jus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir au travers des photos, qui retrace toute la création et la technicité du savoir-faire faïencier. Donc cela nous permettra de montrer aux visiteurs le savoir-faire faïencier. Et ensuite, l'étude nous a montré qu'il est important que l'on ait un lien entre ce lieu et le centre-ville. Alors, un espace boutique sera prévu au cœur de ville, à côté sûrement du grand presbytère. Ça, c'est encore à l'étude. Donc, je vous remercie de votre attention. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Molt bé, moltes gràcies, Flavi, i em suggeria la teva presentació també, els lligams, bueno, i el per què d'aquest projecte transfronterer, en definitiva, no? Els lligams entre això últim que explicaves ara en relació al Maté i els projectes que s'han dut a terme, doncs, per exemple, el Terracota Museu, no? de la Bisbal, i volia aquí destacar amb els assistents, doncs, que l'intercanvi que el projecte ha permès en aquest sentit, no? De que pugueu veure respectivament els diferents tipus d'equipaments lligats a l'artesania que hi ha en cada municipi, els projectes que s'estan portant a terme, etc. No? I ara, simplement, volia aquí tornar a tenir en Pep, no? Perquè més que preguntes, sí que hi ha, bueno, volia ser algunes de les reflexions en el mur de preguntes, una banda referit a les experiències que ha explicat en Pep Gesti, no? Es destaca molt bona idea incorporar l'artesanat d'art en esdeveniments ja existents, no? I algú posa l'interrogant, no serà això normalment la capitalització? I també en la importància del networking, no? Del coneixement mutu, sobretot en cas. I aussi l'importance du networking.
le fait qu'il y ait des gens peut-être qui sont en train de penser à rentrer à ces mondes d'une façon plus professionnelle. Je ne sais pas si tu souhaitais faire un commentaire. On s'excuse qu'on s'était changé, on s'était trompé de canal. J'ai souhaiterais souligner seulement que je pense que le networking, le travail en réseau est essentiel, mais je pense qu'on devrait ouvrir la porte au travail en réseau entre les artisans et le reste de professionnels, par exemple, qui travaillent dans le monde agricole. Et je pense que ça ouvre beaucoup de portes et que je pense que c'est bien d'introduire, par exemple, dans le monde de l'artisanat, d'autres techniques. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, Flavie, peut-être. Enfin, en tout cas, le salon dont vous avez parlé avant et le fait que dans le cadre du projet Copart, il y a eu la participation d'artisans et d'artisanes catalans. Je pense que cela a été une expérience à succès. Oui. C'est juste? Oui, oui, totalement. Molt bé. Doncs bé, eh bien, pour la reste de réflexion, vous avez la liste des questions-réponses. Je pense que, heureusement, on a été généreux pour la pause de midi, mais il est tard, très tard, en particulier pour nos partenaires français qui déjeunent donc plus tôt. Alors, on va en finir là. On vous remercie beaucoup de votre assistance. Merci Flavie, Pep, Christophe et Soledad de votre participation à cette table ronde. Et sans plus, on fait la pause maintenant et je vous rappelle que cet après-midi, nous allons commencer à 14h45 pour la troisième table ronde pour parler de métiers d'art, un patrimoine à sauvegarder et à transmettre. Ça, c'est le titre de la prochaine séance. Merci beaucoup, bon appétit et à tout à l'heure.